Dans cette édition de la revue pimentée de la presse, nous allons parler de la disparition tragique de l'emblématique capitaine des Lions Indomptables, version 1990. Pour le journal Les Petits Jaloux, que le Pichichi soit le représentant du président de la CAF au deuil de Tato. Pourquoi cela vous étonne point d'interrogation. Jaloux comme ça. Parlant de la cérémonie funéraire d'hommage à Stephen Tato, le journal La Solidarité écrit « Mime de rien, la presse sportive était bien représentée au deuil de Tato. » Mais en dehors des sportifs, il n'y avait pas que les journalistes à ce deuil. Hein. Le journal Sauf à Don Finish écrit à ce sujet, et je cite « Parmi les personnalités qui sont venues au deuil de Tato, on a vu Joshua aussi. On a vu Joshua aussi. Il était aussi là. On l'a vu aussi. »